c'est vraiment de découvrir à travers mes compositions tout l'univers du blues et du rock. C'est vraiment une passion. Donc, depuis que je suis tout petit, j'écoute ce genre de musique. Enfin, je suis assez éclectique dans mes choix musicaux, moi, mais c'est vraiment un style qui me correspond le mieux. Et voilà, c'est un plaisir de partager ça, surtout avec les jeunes, pour aussi tester, voir comment est-ce que les jeunes réagissent à ce style de musique, le blues et le rock. Ils ont peut-être moins l'habitude d'entendre, ça passe moins à la radio, etc. Donc c'est plus une niche. Et peut-être ouvrir cette niche justement à ce public plus jeune. Par exemple, sur scène, on utilise beaucoup de vieux amplis à lampe. Donc ça, on va expliquer aux jeunes ce que c'est, comment ça fonctionne. Voilà, on va déjà leur montrer les instruments qu'on utilise sur scène aussi, surtout les guitares, très peu de machines, voire pas du tout de machines. Je joue beaucoup avec une lap steel, donc c'est une guitare qu'on pose sur les cuisses. Par exemple, pour proposer de venir quelques-uns, pas tous, mais de venir tester cet instrument qui est un peu bizarre. Un truc intéressant, c'est expliquer aux jeunes aussi que n'importe quel type d'art, c'est très difficile d'en vivre, il faut beaucoup travailler. Mais voilà, tout est possible. Je veux dire, on peut en vivre full time, mais on peut aussi en vivre comme moi je le fais, à mi-temps.